Toujours au chapitre santé, le consortium Social Watch Bene Assopil a lancé le projet d'appui au renforcement du cadre normatif, législatif et institutionnel de la santé sexuelle et de la reproduction. La cérémonie officielle s'est déroulée sous l'égide du ministère de la Santé et en présence du représentant de Enabel, William Aguiar et Blaise Adam. Un pas de franchi pour la promotion du droit à la santé sexuelle reproductive. Depuis le 1er septembre 2021, le projet d'appui au renforcement du cadre normatif, législatif et institutionnel de la santé sexuelle et de la reproduction est mis en œuvre. Il a pour objectif d'améliorer la connaissance et l'application des textes de loi en la matière. Le cadre normatif, législatif et institutionnel de la santé sexuelle a évolué avec le vote ces derniers moments de quelques lois et de la modification d'autres lois. Il est important de partager le contenu du projet avec les différentes parties prenantes de la santé sexuelle et de la reproduction sexuelle au Bénin. C'est ce à quoi s'attellent Social Watch et Enabel Bénin, son partenaire technique et financier. En 2021, il demeure pertinent de faire connaître et de faire évoluer davantage le cadre réglementaire et institutionnel régissant les droits de la santé sexuelle et reproductive pour qu'il soit plus favorable à la jouissance effective par les adolescents, les jeunes et toute autre personne bénéficiaire des dits droits. Enabel avait mis à disposition effectivement une enveloppe budgétaire pour appuyer des projets innovants pouvant permettre d'améliorer l'environnement juridique institutionnel pour les droits sexuels et reproductifs. Le 31 mai 2023, le projet sera à son terme. Sa mise en œuvre va permettre aux adolescents, aux jeunes et aux femmes en âge de procréer, de jouir de leurs droits en matière de santé sexuelle et de la reproduction. Cérémonie de présentation de vœux à la mairie.